Comment un jeune a-t-il fait pour gagner plus de 100 000 francs en moins de 30 minutes? Et tout ça avec une planche qui mesure juste un mètre. On va regarder une vidéo ensemble et derrière, je vais t'expliquer quelles sont les stratégies que ce jeune a pu mettre sur pied et comment est-ce qu'il a fait pour gagner cette somme d'argent. Donc, je t'invite à regarder toute cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Regardons la vidéo. Je vois que tu as aussi regardé cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? La scène se déroule dans la ville de Douala, au Cameroun. Plus précisément, le quartier d'Emunus. Comme vous avez compris, l'individu se fait appeler Nao. Et apparemment, il est réputé au quartier par des petits travaux d'assistance aux voisins et aux personnes dans le quartier. Mais ce jour, il ne va pas comprendre, ou peut-être d'autres personnes qui sont de passage dans le quartier ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer réellement. Pourquoi? Parce que là, ce monsieur qu'on appelle Nao est en train de faire une opération entrepreneuriale. Et quand on parle d'opération entrepreneuriale, on parle de quoi? On parle d'une idée de business. On parle de quoi? On parle d'une opportunité. On parle de quoi? On parle d'un investissement et un retour à l'investissement. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, vous savez que la ville de Douala est tellement avec les bouchons. Donc, puisque nous avons une courte vidéo, avant cette vidéo, nous comprenons que l'axe central a dû être bloqué. Et comme nous connaissons nos amis et nos frères les Benskineux de la ville de Douala, que je salue bien, je salue tous les Benskineux qui sont en train de regarder cette vidéo. Si tu es Benskineux ou tu connais quelqu'un, un Benskineux, tu laisses en commentaire, tu marques son nom ou tu présentes ou tu écris présent en commentaire pour que on puisse faire grandir la communauté. Vous connaissez la mentalité des Benskineux de Douala. Les Benskineux de Douala, pour eux, l'embouteillage n'existe pas. Donc du coup, les Benskineux ont pensé emprunter une autre voie seconde. Et c'est en ce moment qu'intervient le grand Nao. Qu'est-ce que le grand Nao a fait? La première des choses que le grand Nao a fait, que toi, entrepreneur, tu dois comprendre, que toi, jeune, qui se plaint de ne pas avoir des opportunités, de ne pas avoir des situations, Nao a fait ce que tout entrepreneur doit avoir dans son mindset, la créativité. La créativité. Nao a fait tourner son disque dur et est allé chercher une planche qui n'a même pas, regardez bien la planche, regardez la vidéo, cette planche n'a même pas une dimension d'un mètre. Très solide, il va déposer cette planche qui va servir de pont. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est positionné, comme vous avez vu dans la vidéo, pour traverser. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut monnayer. Il faut monnayer. En moyenne, d'après ce que nous sommes en train de voir dans la vidéo remboursement, ça devait être soit 50 francs CFA, soit 100 francs CFA. Alors, Nao se positionne. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, j'ai dit très bien, vous connaissez quand la route principale est bloquée, que la route secondaire, et qu'il y a une création d'une route secondaire, alors tout le monde va balancer de ce côté. Nao ne s'arrête pas là. Nao apporte son soutien pour faire ce qu'on appelle en deuxième le service client, le SAV. Le SAV de Nao, c'est quoi? C'est apporter son soutien à ses clients qui sont les mototaximans, qui n'arrivent pas à traverser sa planche. Un moment, il s'en va choquer. Il ne se contente pas de livrer le client, mais il s'assure de la livre, du service après-vente. Ce que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Beaucoup d'entrepreneurs comptent juste vendre. Vendre un produit, vendre un service, vendre quelque chose et se limiter. Ils ne tiennent pas compte au SAV, au service après-vente, pour accompagner le client. Et vous connaissez l'affluence. Nao n'a pas eu moins de près de 1000 motos qui devaient traverser par son pont. C'est pourquoi on parle ici de plus de 100 000 francs. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce qu'autour de toi, il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce qu'autour de toi, tu n'arrives pas à cerner un problème où tu vas apporter une solution par ta créativité? Est-ce qu'autour de toi, tu n'arrives pas à comprendre que ta communauté, ton entourage, tes amis ont besoin de quelque chose que tu peux apporter pour donner une valeur ajoutée à leur vie? Et là, parfois nous sous-estimons des situations, sans connaître que derrière chaque catastrophe se cache une opportunité. Sans connaître que derrière chaque situation doit se cacher une opportunité. Il faut juste avoir un mindset d'entrepreneur pour cerner et apporter ta créativité pour pouvoir décanter la situation et faire quoi? Apporter une solution et derrière rentabiliser. Beaucoup cherchent l'argent. Beaucoup courent derrière l'argent, mais beaucoup ne savent pas qu'il faut apporter une solution à la vie de quelqu'un pour pouvoir gagner derrière. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. J'espère que tu as compris qu'il te faut faire, qu'il te faut travailler ta créativité, qu'il te faut regarder autour de toi pour voir quel est le problème qui manque. Cerne un problème dans ta communauté et apporte une solution ou des solutions. Et en ce moment, tu verras que la suite ne sera plus qu'un détail. Parce que là, tu auras apporté une valeur ajoutée à la vie des gens. Si tu as aimé cette vidéo, écris en commentaire ce que tu as déjà eu à apporter comme solution dans la vie des gens. Ou peut-être une solution que tu as laissée en commentaire pourra apporter une valeur ajoutée à la vie de celui qui va regarder cette vidéo. N'oublie pas, tu likes, tu commentes, si c'est ta première fois d'arriver, tu t'abonnes. Ça, c'est la chaîne de ceux qui veulent avoir l'éveil de conscience pour pouvoir s'en sortir, car nous en aurons besoin. Like, commente, partage, appelle les autres pour qu'ils nous rejoignent.